Salut tout le monde. Bon alors cette petite vidéo pour vous présenter une web télé qu'on vient de créer qui s'appelle La Maroutine, qui officiera sur le secteur plus ou moins de l'entre-deux-mer et des environs. Donc l'idée de cette web télé c'est d'être une plateforme de diffusion sur laquelle on aura des reportages, des brèves, de l'actu, des chroniques. On a déjà une émission qui s'appelle Avis à la population, qui est un billet d'information régulier quotidien. On a depuis quelques temps les Cafés Philo, c'est un rendez-vous régulier dans lequel on se retrouve pour discuter de thèmes de société divers et variés. On a fait le premier sur l'effondrement des civilisations, sur la collapsologie, qui est un concept qui nous préoccupe. On a pu mettre ça en relation avec la chute de l'Empire romain qui s'est déroulée en l'espace de quelques générations, et donc on s'est posé la question de savoir comment une société pouvait s'effondrer comme ça aussi vite et comment on pouvait mettre ça en relation avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y aura des thèmes peut-être un peu plus positifs à l'avenir, mais déjà vous pouvez consulter le premier Café Philo qui est en ligne, et puis on en tournera très bientôt de prochains et on essaiera d'avoir des rendez-vous assez réguliers. C'est la campagne, hein, c'est pas la grande ville, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un nombre de lieux impressionnants qui valent le détour. Ils méritent un peu d'être présentés et qu'on parle un peu d'eux et des gens qui les font vivre. C'est pour ça qu'on a une web-série qui s'appelle D10, Petite chronique d'un enfant du pays. Alors on a choisi ce nom parce que D10, en fait, c'est la route qui relie Bordeaux à Langon. C'est la route qui représente un peu notre secteur, c'est la route qu'on prend tous les jours pour les activités qu'on mène, professionnelles, culturelles, sociales. C'est un moyen de parler de tout ce qui se passe ici. Et c'est la route comme un trait d'union entre toutes les belles activités qui se font ici, tous les beaux projets qui existent dans ce coin, qui font qu'on se sent bien ici, qu'on a envie d'y rester, qu'on n'a pas envie de partir. Et que même si on part, on finit toujours un jour ou l'autre par revenir ici, quoi. Alors pensez à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche, tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour parler de tout ça. Allez, à plus, ciao.